Chers téléspectateurs, bonsoir. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui fait voler en éclats ses frontières, la diplomatie camerounaise qui réalise sa cure de jouvence et le renouveau national qui dresse le bilan de ses 35 années au directeur du pays. Voilà résumé les trois événements majeurs qui ont rythmé la vie nationale et sous-régionale au cours de ces derniers jours. Trois événements qui ont naturellement placé au centre de l'action le président de la République, Paul Biya. Votre magazine Présidence Actu se fait ce soir le reflet fidèle de cette intense activité du chef de l'État, de N'Djamena au Tchad à Yaoundé, au Cameroun et en guise de bouquet. Nous recevrons comme invité Madame Mba Achan et Fomundam Rose, ministre déléguée à la présidence en charge du contrôle supérieur de l'État. Avec elle, nous parlerons naturellement de la lutte contre la corruption dans notre pays. Chers téléspectateurs, merci de nous offrir votre hospitalité. Alors, si vous êtes à nous, nous sommes à vous. Et peut-être que pour commencer, nous allons revisiter en 3 minutes et 30 secondes les 35 années de règne du président Biya. Des souvenirs si lointains mais pourtant si proches. Le 4 novembre 1982, ce fut un véritable coup de tonnerre. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10h. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, m'ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. À l'annonce de la démission sur les antennes de la Radio Nationale du premier président de la République, c'est un peuple tétanisé qui attend de connaître la suite des événements. Le journal démarre à 20h22. Entre-temps, le ministre de l'Information et de la Culture, Guillaume Boulay, est arrivé à la radio. Tout le monde avait l'air hébété, pour ainsi dire. Les cravates n'étaient pas bien nouées, les chemises étaient portées n'importe comment. C'était vraiment, comme je dis, l'excitation au sein de la rédaction. D'abord la stupéfaction, l'excitation, le stress, et puis nous, la fierté d'avoir le sentiment que nous allions faire l'histoire. Le peuple camerounais, dans son immense majorité, est d'autant plus dubitatif que du nouveau président, il n'en sait pas grand-chose. Celui-ci ayant choisi de faire de la discrétion un véritable style de vie. C'est donc avec un mélange de curiosité d'abord, puis finalement de fascination, qu'on voit apparaître dans un strict costume trois pièces le nouveau chef d'État camerounais Paul Biya. Dans une inoubliable ferveur et sous les cris scridants des jeunes, les huées des femmes et les applaudissements nourris des hommes, le nouveau président est littéralement porté en triomphe du palais de l'Assemblée nationale, lieu de sa première apparition. Le pouvoir entre les deux chefs d'État se déroule dans le strict respect de l'ordre constitutionnel et de la légalité républicaine. Et très rapidement, à l'inquiétude va succéder l'espoir. Animé d'une volonté sans borne de faire bouger les lignes, Paul Biya n'hésite pas à imprimer sa marque autour des valeurs fondatrices telles que rigueur, moralisation, démocratisation. Depuis lors, le président Biya est toujours à la manœuvre pour faire avancer la barque Cameroun sur la rude voie de son avenir. Fin
Face à la dictature d'une scène internationale de plus en plus impitoyable, le président de la République, chef de la diplomatie camerounaise, envoie de nouveaux hommes en mission pour faire entendre la voix du Cameroun, assurer son rayonnement à l'international et en même temps ramener des dividendes à même d'assurer le développement socio-économique du pays. C'est le sens à donner à la série de décrets et d'arrêtés signés le 7 novembre dernier par le président Biya, une série de textes qui retouchent en profondeur les services centraux et extérieurs du ministère camerounais des Relations extérieures. Essai de décryptage, et juste après, nous allons vous retrouver en compagnie de notre invité. Soulagement. Enthousiasme, euphorie. Les qualificatifs se bousculent depuis quelques jours pour traduire l'ambiance qui règne désormais au sein de la grande famille diplomatique du Cameroun. En effet, à la faveur d'une série de décrets et d'arrêtés signés le 7 novembre dernier, lendemain de célébration du 35e anniversaire de son accession au pouvoir, le président de la République, Paul Biya, a décidé de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. De mémoire d'observateur, jamais, sous le renouveau, la diplomatie camerounaise n'aura connu une refondation d'une telle ampleur. Le vaste mouvement décidé par le chef de l'État au ministère des Relations extérieures touche à la fois les missions diplomatiques du Cameroun à l'étranger, les représentations camerounaises au sein des organisations internationales et naturellement les services centraux. Sur le plan organique, celui-ci prend en charge les nouveaux défis qu'impose le monde d'aujourd'hui. La cybercriminalité, la gestion de la diaspora, les relations avec le voisinage. Dans ce jeu de chaises musicales savamment articulé, la femme camerounaise est honorée avec l'arrivée à la tête de l'inspection générale des services d'une dame. La jeunesse pour sa part est portée au pinacle dans ce mouvement qui retouche en profondeur le Minrex. Ainsi donc, ceux qui se croyaient oubliés sont restaurés dans leur fierté, dans leur orgueil. La valse de nomination intervenue le 7 novembre dernier au ministère des Relations extérieures, si elle surprend par son ampleur, apporte dans le même temps des réponses précises aux questionnements qui envenimaient l'espace public depuis quelque temps. La première, elle conforte le président de la République dans sa posture de patron de la diplomatie camerounaise. Une famille diplomatique dont il reste viscéralement proche et à l'écoute. Seconde certitude, cette série d'actes présidentiels affiche clairement l'ambition du chef de l'État de passer résolument à l'offensive pour consolider l'image et la crédibilité du Cameroun à l'international dans un contexte où une nébuleuse d'organisations non gouvernementales ont décidé de faire du régime de Yaoundé une cible privilégiée de leur entreprise de déstabilisation. C'est ce qui justifie sans doute l'envoi de jeunes loups dans les représentations diplomatiques camerounaises à l'extérieur et le rappel dans les services centraux de quelques anciens. À travers ce chassé-croisé, il faut y voir la volonté du chef d'envoyer de nouveaux hommes à la conquête de l'espace public universel et le souci d'amener dans le même temps les plus anciens à venir partager la longue expérience professionnelle accumulée à l'extérieur dans la maison mère. Le rajeunissement des effectifs ainsi acté par le patron de la diplomatie camerounaise apporte par ailleurs la preuve cinglante que sous le renouveau, il y a bel et bien de la place pour les jeunes. Face à ceux-là qui ont inscrit la déstabilisation du Cameroun dans leur agenda, Paul Biya envoie de nouveaux fantassins, de nouveaux messagers de la vérité, véritables soldats engagés à la défense de la patrie à l'extérieur. La diplomatie est, on le sait, l'un des pôles les plus importants à travers lequel s'exerce notre souveraineté. Les promus du 7 novembre dernier au Minrex devront par conséquent s'employer, face à la complexité sans cesse croissante du monde d'aujourd'hui, de faire résonner de façon limpide et sans équivoque la voix du Cameroun en tant que sujet et acteur crédible de la scène internationale. Ces nouveaux envoyés en mission devront dans le même temps créer de contacts multiples à même de contribuer sur le plan économique à la modernisation de notre pays. Et heureux, bien heureux qui, comme le jeune Bellambella, l'actuel ministre des Relations extérieures, qui voit ainsi aboutir pendant son bail à la tête du Minrex
une réflexion entamée il y a plus d'une décennie et à laquelle se sont attelés bon nombre de ses devanciers. Je le disais en ouverture de cette édition, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Mba Acha-Rose Fomundam, ministre déléguée à la présidence en charge du contrôle supérieur de l'État. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci de nous accueillir, merci de nous ouvrir les portes de votre département ministériel. Soyez le bienvenu à Kosuke. Pour nous aider à comprendre ce que vous êtes supposé faire et ce que vous faites au quotidien. Et la question lancinante que tout le monde se pose d'emblée est celle de savoir quelles sont les missions qui sont dévolues au contrôle supérieur de l'État. Il faut peut-être d'abord préciser que les services du contrôle supérieur de l'État sont organisés par un décret présidentiel, à savoir le décret numéro 2013-287 du 4 septembre 2013. Et en vertu des dispositions de ce décret présidentiel, les services de contrôle supérieur de l'État ont la responsabilité d'assurer le contrôle au plus haut niveau des gestions des finances publiques. Et à cet égard, le CONSUPE est l'institution supérieure de contrôle supérieur. Et ils ont des missions principales. D'auditer la gestion budgétée de l'État et de ses démembrements, d'évaluer les programmes et les projets publics, de renforcer les capacités des organes d'audit interne des autres administrations, d'assister le gouvernement dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de la programme de modernisation de l'État et de concourir à la sanction de gestionnaires indélicats des finances publiques au travers le conseil discipline budgétaire et financière. Que les gens connaissent très bien. Oui. C'est un cahier de charges, on va dire, assez étoffé. Comment s'exerce le rôle de gendarme de la fortune publique qui est dévolu au ministère dont vous avez la charge? Oui, la fonction du gendarme de la fortune publique qui revient à mon département ministériel s'exerce peut-être à trois niveaux. Oui. À travers d'abord les activités de contrôle, les activités de prévention et de conseil et la sanction de la responsabilité des gestionnaires, des surveillants de la fortune publique. Oui, et à bon, en ce qui concerne les contrôles, nous avons trois types de contrôles. Il y a trois types de missions de contrôle. Il y a des missions programmées qui sont proposées par le CONSUPE sous la base d'une planification stratégique et aboutissant à un plan d'audit annuel. Il y a aussi des missions spéciales qui sont prescrites par le chef de l'État au cours de l'année. Et il y a enfin les missions de recoupement d'informations. Ce troisième type de mission est basé sont effectuées dans le cadre des informations ou de dénonciations qui sont reçues, peut-être des usagers ou bien peut-être de certains personnels de l'établissement ou entité à auditer. Vous recevez beaucoup de dénonciations au quotidien? Oui. Des dénonciations par recevoir. Jour, on peut recevoir peut-être 7 à 8 dénonciations par jour. Et il faut recouper les faits et après. J'ai parlé des missions de contrôle, j'ai parlé des missions de prévention et de conseil. En ce qui concerne les missions de prévention, il faut peut-être noter que le CONSUPE organise beaucoup des ateliers de formation. CONSUPE aussi aide le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre et l'évaluation du programme de modernisation. Par exemple, très récemment,
le Conseil pays a été chargé de proposer les lignes directrices pour l'audit de projets gouvernementaux. C'est ce que nous avons fait sous la demande du Premier ministre qui a demandé ce qu'on l'a, qui a demandé une élaboration de ces lignes directrices. Il a demandé ça au cours de la réunion de cabinet de mai 2017. Il faut aussi peut-être préciser que le rôle de conseil que fournit mon département ministériel, c'est au travers les forums d'échange et de réflexion qu'on fait avec, qu'on organise ici avec nos partenaires externes, comme exemple le média, le gouvernement même et notre partenaire, le parlement, même les sociétés civiles. Nous organisons ce forum d'échange et de réflexion. Par exemple, en 2011-2012, on a organisé des forums internationaux portant sur l'amélioration des inspecteurs généraux ministériels. On a organisé aussi des forums internationaux sur la prévention non judiciaire de la fortune publique. Même récemment, en mai 2017, on a organisé la conférence internationale sur les flux financiers illicites qui grève une bonne partie de notre ressource des pays sous-développés. Invité de cette édition de présidence actuelle, Madame Mba Acha-Rose Fomunda, ministre déléguée à la présidence en charge du contrôle supérieur de l'État. Madame la ministre, vous allez accepter de nous tenir compagnie tout au long de cette émission, au cours de laquelle nous allons revenir sur le récent séjour du président de la République et la première dame à N'Djamena au Tchad à la faveur d'une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Mais avant d'évoquer la République, essayons-nous d'adresser un bilan de votre action depuis que vous êtes à la tête de ce département ministériel. Je pense que le bilan est globalement positif, à l'international comme... Sur le plan national. Sur le plan national. Commençons sur le plan national. La loi du mort kilométrique, je veux qu'on commence d'abord par ce qui nous intéresse en priorité. Sur le plan national, le consulté essaie d'effectuer ses missions classiques à travers le déploiement de multiples équipes de missions sur le terrain, pour équipes de missions de contrôle, de vérification sur le terrain. Par exemple, depuis janvier 2017 jusqu'à présent, on a eu 22 équipes de missions sur le terrain auprès des entités publiques. Les missions de contrôle sur le terrain demandent assez de temps pour être efficaces. Parmi ces 22, on a eu 6 rapports déjà déposés. On a eu 14 qui sont encore sur le pied d'œuvre. Il y a 2 qui sont en cours de planification. En tout, on a eu 22. Et une équipe de mission peut avoir entre 10 et 15 personnes. Oui. On a aussi tenu des ateliers de formation pour les inspecteurs généraux des ministères et même pour d'autres comme la communauté urbaine de Douala. On a eu un memorandum d'understanding avec la communauté urbaine de Douala et on a eu à former le personnel de la communauté urbaine de Douala. Comment et on les a aidés à même établir la cartographie de risque qu'on est parti au début de cette année pour les remettre. Ou bien pour. C'était une cérémonie organisée à Douala. Il y a, comme j'ai dit, beaucoup de choses qu'on a fait. Là, c'est pour l'année 2017. Mais de façon globale, depuis que vous êtes là, en moyenne, il y a combien de missions de contrôle qui descendent sur le terrain par an et quels sont les gains, qu'est-ce que l'État a pu en tirer si on vous posait la question directement? Oui,
On n'a pas un nombre fixe de missions. Parce que à la limite du 31 décembre, il faut envoyer à la présidence une liste des missions programmées. Je vous ai parlé des missions programmées et des missions spéciales prescrites par le chef de l'État. On envoie pour être validé, pour la validation du chef de l'État, parce que selon le décret présidentiel que je vous ai cité au début de cette interview, le président de la République, le service de contrôle supérieur de l'État dépend directement de l'autorité directe du président de la République, dont ils reçoivent les instructions et à qui ils rendent compte. Oui. Ça veut dire que avant même de dépêcher une équipe sur le terrain, il faut l'autorisation du chef de l'État. On envoie la liste pour être validée par le chef de l'État. Mais au cours de l'année, le chef de l'État nous envoie des instructions d'envoyer les équipes de mission sur le terrain dans des cas particuliers. Parce qu'il y a des dénonciations qui sont faites directement au chef de l'État, qui ne passent pas par le consul. Alors, pour revenir à la moisson, les Camerounais sont toujours curieux de savoir ce que l'État a pu glaner à l'issue de ces différentes missions qui ont été produites. Vous pensez qu'elles ont contribué à diminuer l'ampleur du phénomène de la corruption? Oui, énormément. L'État a bénéficié énormément de cet exercice de contrôle, de vérification par les équipes de mission envoyées, dépêchées sur le terrain. Par exemple, dès qu'on envoie les équipes sur le terrain, ils rentrent avec leur rapport, on envoie la présidence au chef de l'État, le chef de l'État qui est autorité suprême de ce département ministériel, nous demande d'envoyer ça au conseil de discipline budgétaire et financière. Et là-bas, les gens qui sont justiciables sont assignés devant cette instance et cette instance écoute ses affaires et à la fin, on voit qu'il y a des débats. Il y a aussi des amendes spéciales. Depuis mon arrivée, il y a eu beaucoup de débats, des milliards, concernant quelques entités publiques et quelques agents, les gestionnaires et des surveillances du crédit et les gérants. Et puis, quand l'équipe de mission descend sur le terrain, ce n'est pas seulement pour arrêter les gens, comme on dit, il y a aussi des recommandations qu'ils donnent. Ils donnent des recommandations pour le meilleur fonctionnement de cette entité publique. Et il redescend sur le terrain pour assurer que ces recommandations sont effectivement mises en place. Et même les ateliers de formation organisés pour les inspecteurs, c'est pour que, à l'interne, avant l'arrivée du consul, qui est contrôleur externe, on peut trouver que tout est bien fait. Parce que si les inspecteurs généraux savent ce qu'ils doivent faire, le travail serait moins difficile pour consulter. Oui. Et même la gestion de cette entité sera mieux faite, qui va apporter de valeur ajoutée à cette entité. Alors, je le disais tout à l'heure, Madame la Ministre, vous allez nous permettre d'effectuer le voyage de N'Djamena pour évoquer donc la participation du couple présidentiel à ce récent sommet de la CEMA qui, comme on le sait, a débouché sur l'éclatement des frontières dans la sous-région Afrique centrale, mais également à l'établissement définitif de la Bourse des valeurs à Douala, au Cameroun, une victoire naturellement qui revient au président de la République. Mais avant d'évoquer le sommet en lui-même, on va commencer par évoquer l'accueil tout à fait particulier qui a été réservé à Paul et Chantal Biya en N'Djamena. Avoir cette impressionnante mobilisation des Camerounais, difficile de croire que l'on se trouve en territoire tchadien. Mais combien était-il donc? Entre 15 et 25 000, selon les organisateurs. En effet, partie des confins de la région de l'extrême nord, Kousséré, Goulfé, Ile Haïfa, mais aussi Darak et Fotokol,
ils ont sans hésiter franchi le fleuve Logon, limite naturelle entre le Tchad et le Cameroun, pour venir souhaiter la bienvenue à leur président, Paul Biya du Cameroun, et à leur première dame, Chantal Biya. Le grand déploiement observé en face du pavillon présidentiel de l'aéroport Hassan Djamous de N'Djamena, qu'ils ont investi depuis plusieurs heures, est quasiment identique à celui observé au Tarma, au moment où l'avion spécial ayant à son bord le couple présidentiel camerounais achève ses manœuvres. Ce 30 août 2017, veille d'ouverture du Grand Conseil de famille sous-régional, Paul Biya est le premier chef d'État à fouler le sol tchadien. Pour lui souhaiter la bienvenue, à lui et à son épouse, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de la CEMAC, et Madame Inta Déby Itno, première dame du Tchad. L'accueil réservé à Paul et Chantal Biya sera des plus relevés. À son arrivée, le président Biya se voit remettre un bouquet de fleurs avant de sacrifier à l'exécution de l'hymne de la CEMAC et au passage des troupes en revue. Il faudra par la suite près d'une vingtaine de minutes pour permettre à Paul et Chantal Biya de serrer les innombrables mains qui les attendent. Dans les rangs, les officiels du pays hôte, les membres de la suite officielle du président de la République, mais aussi les responsables administratifs et traditionnels du Logon et Chari, ainsi que les figures de proue de cette armée de militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont la région de l'extrême nord constitue le principal vivier. Après une brève escale au pavillon d'honneur, le couple présidentiel camerounais ne va pas résister à la tentation de s'offrir un inoubliable bain de foule au milieu de ses compatriotes, dont la démonstration de force se passe de tout commentaire. Tous les ingrédients semblent déjà réunis pour un séjour agréable du chef de l'État camerounais en terre tchadienne. Un séjour que le président Biya mettra sans doute à profit pour sacraliser, aux côtés de ses autres homologues, l'idéal communautaire d'aller en avant, dans une dynamique écuménique qui s'est largement exprimée au cours de ces dernières semaines. En effet, nul besoin de dessin pour rappeler que dans l'ambition commune d'aller plus loin dans le processus d'intégration, le Cameroun fait office de pionnier, lui qui en février dernier, au sortir du sommet de Guinée équatoriale, a été le tout premier à signer l'acte additionnel de la CEMAC qui consacre la suppression de l'exigence de visa pour les ressortissants de la sous-région. En marge de cette question d'actualité brûlante, le pays de Paul Biya aura également son mot à dire sur la taxe communautaire, son usage et les mécanismes de son prélèvement, dans un contexte marqué notamment par une anémie sévère de la plupart des économies de la CEMAC. Sur l'autre grand dossier, à savoir le pourvoi des postes à la tête des différentes institutions spécialisées de la CEMAC, la démarche camerounaise pourrait aller dans le sens d'amener les États membres à reconsidérer certaines dispositions du texte organique, notamment celles qui mettent hors course des candidats originaires des pays qui abritent certains de ces organes. Toutes choses qui font du rendez-vous de N'Djamena 2017 un rendez-vous à vivre. Retour à vous, Madame la Ministre. Avant de nous séparer, nous évoquions le bilan de votre action à la tête du contrôle supérieur de l'État. Ça fait 2 ans et quelques mois que vous êtes là. Vous êtes satisfaite du bilan de votre action, du bilan financier, parce que nous, on aime bien les chiffres. Ah oui, très satisfait même. Il y a une mission qui a permis le recouvrement de 5 milliards pour le caisse de l'État. Il y a une autre mission qui a permis 3 milliards. Il y a une autre mission 6 milliards, plus de 11 milliards juste pour le caisse de l'État. Ce n'est pas exhaustif. Oui. Oui, il y en a. Sans encore compter les missions qui sont en cours. Sans compter même les affaires qui sont encore pendant devant le CDBF, dont on n'a pas encore prononcé les décisions. Je vous ai parlé du bilan national seulement, pas international. Oui, sur le plan international. Oui, sur le plan international. Il faut peut-être dire que le Consoupi a renforcé la position et le rayonnement du Cameroun dans le conseil des ISC. Comment? Par exemple, c'est le Cameroun qui assure le secrétariat général de l'Afrosai, l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle, dont il y a 54 membres. On a tenu notre assemblée générale dernièrement en Namibie et ils ont beaucoup félicité le secrétariat général du travail qu'on avait fait là-bas. Et féliciter même le Mindel Consupi parce qu'elle a co-présidé ses assises avec le président de la FOSAI. Il faut aussi mentionner le CRI qui est
le conseil régional de formation des institutions supérieures des finances publiques de l'Afrique francophone subsaharienne, oui. Abidjé Krefiav. Bon, le Cameroun aussi assure le secrétariat général. Il faut peut-être mentionner aussi le groupe de travail WIGEA, Working Group on Environmental Audit de AfroSAE, qui est aussi présidé par le MINDEL de Consupé. Toutes ces instances-là donnent beaucoup de respect au Cameroun. Le plan international. Il crédibilise l'action qui est menée dans notre pays. Mais alors, l'autre grande question que l'opinion se pose est celle de savoir pourquoi vos actions ne sont pas aussi médiatisées qu'elles étaient auparavant. On sait que les décisions rendues par le Consupé à travers son bras séculier, qui est le Conseil de discipline budgétaire et comptable, étaient fortement, faisaient l'objet d'une grande publicité. Ce qui n'est pas le cas depuis quelques temps, Madame la Ministre. Oui, il faut d'abord savoir que notre mission, la mission de vérification dans presque toutes les ISC du monde, sont frappées de sceaux de confidentialité. Ça veut dire qu'on ne publie pas n'importe comment. Et il faut aussi savoir que maintenant, il y a peut-être, depuis 2012, que l'État a mis sur pied les tribunaux administratifs régionaux. Ça veut dire qu'il y a des tribunaux administratifs partout. On peut relever le recours contre cette décision devant les tribunaux administratifs. Et puisqu'il y a beaucoup de tribunaux administratifs maintenant, si on ne reste pas dans le droit, dans nos droits, ça veut dire qu'on peut annuler nos décisions. Et les conséquences, si on annule les décisions qu'on avait déjà publiées, les décisions de CDBF, et on annule, ça veut dire qu'on va porter plainte contre l'État. Oh oui. Et on vous allez perdre en crédibilité oui, aussi. Oui, ça veut dire qu'on laisse pour que la décision soit définitive, pour qu'on publie. Le Consupé est doté d'un site web. Et le Consupé a une page Facebook. Le Consupé est Android, comme le chef de l'État a recommandé. Et il faut aussi dire que ce n'est pas seulement le ministre délégué à la présidence de la République, du Consupé, qui est chargé de faire la publicité de nos actes et de nos engagements. Parce que de temps en temps, on entend les hauts responsables de Consupé qui passent à la radio, CRTV, pour donner le point de presse. D'accord. Alors, mais vous l'avez reconnu vous-même, par le passé également, certaines décisions rendues par le contrôle supérieur de l'État ont fait l'objet de vives critiques, pour dire le moins, à défaut de réelles protestations, par les mises en cause. Pour réduire la marge d'erreur sous le terrain par mes collaborateurs qui sont dépêchés sur le terrain dans leur travail, l'institution a mis en place un dispositif et ce dispositif est mis dans chaque phase de contrôle, chaque processus, chaque phase de processus d'audit. Et ce dispositif consiste des mécanismes et des instances pour assurer que les normes sont respectées, les normes d'audit sont respectées par ceux qui sont sur le terrain. C'est pour ça, comme j'ai dit, à chaque étape, à chaque phase, il y a une instance, un dispositif de contrôle qualité. D'abord, on commence par la formation, la constitution de l'équipe. Il faut constituer une équipe qui dispose de la compétence collective pour réaliser leur mission sur le terrain. Une équipe on est sûr qu'ils maîtrisent la déontologie électrique, les règles de déontologie électrique, pour qu'on ne trouve pas quelqu'un dans l'équipe qui est parenté à celui qui est, on doit le contrôler, oui. Et qu'ils sont indépendants. Tout ça, c'est pour s'assurer que tout est bien. Et il faut aussi préciser que cette plan d'audit, ou bien cette équipe d'audit, est validée par le ministre Mindel. L'équipe d'audit est composée et constitué par le chef de division des inspections qui s'occupe de l'entité à contrôler
lui, avec le chef de mission, compose cette équipe de mission. Mais il faut être validé par le MINDEL. Au deuxième niveau, il y a le plan d'audit, plan de vérification. Parce qu'une équipe ne peut pas descendre sur le terrain sans plan de vérification. Le plan de vérification est encore élaboré par l'équipe de mission, coiffé par un chef de mission. Il élabore ce plan de mission qui consiste principalement de la stratégie et programme de mission. Et ce plan de mission est validé, est soumis pour validation devant une instance appelée le comité d'audit. C'est obligatoire, c'est impréalable pour la descente sur le terrain de chaque mission de contrôle. Après ce plan de vérification, on exige à ce que le chef de département, le chef de division des inspections dont ressort l'entité à contrôler, doivent assurer que tout va bien sur le terrain. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il doit s'assurer qu'il suit rigoureusement le plan d'audit et le calendrier. Oui, parce qu'on a l'impression que parfois certaines missions s'éternisent. Ça, le chef de mission, le chef de division doit veiller à cela. Il utilise aussi les processus d'audit et tout ce qui est requis dans un bon, dans la performance d'un bon audit. Il faut que le chef de division veille à cela, que c'est bien exécuté. Il y a aussi, après ça, il y a la rédaction du rapport, qui est très très important. Et il y a une instance de qualité contrôle, qui est, cette instance est appelée comité de lecture, qui examine ce rapport pour voir si les observations contenues dans ce rapport sont fiables, s'ils sont soutenues par des faits concrets, et si il est rédigé selon les normes dans l'art. Ok. Alors, merci Madame le Ministre. On va marquer une seconde de pause pour revenir à ce sommet de la CEMAC, notamment à son déroulement et aux principales conclusions qui en sont ressorties. Le complexe hôtelier Radisson Blu de N'Djamena, l'un des plus réputés de la capitale tchadienne, c'est le lieu de retrouvailles des chefs d'État présents à ce sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Avec tous les égards et la considération due à leur rang respectif, les dirigeants de la sous-région sont reçus au pied de ce majestueux édifice avant d'être conduits dans une salle attenante. Sont présents à ce sommet de N'Djamena Faustin Archange Toadera de RCA, Théodoro Bianguema Bazogo de Guinée équatoriale, Idriss Déby Idno du Tchad, par ailleurs hôte du sommet, et Paul Biya du Cameroun. Autre présence significative, celle de Inta Déby Idno, la première dame du Tchad, et Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Pendant ce temps, dans la salle du sommet ont déjà pris place les ministres membres de l'Union économique sous-régionale, les représentants des différentes institutions communautaires, les suites officielles des différents chefs d'État, les experts et les autorités locales. À l'entrée de la grande salle, les chefs d'État sont ovationnés par un public avide de les entendre sur la marche de la communauté. L'accueil sera formulé sous la forme de mots de bienvenue par le maire de la ville haute de N'Djamena, qui va rappeler que la capitale tchadienne constitue à la fois le berceau de la CEMAC et de son ancêtre UDEAC, qui sont sortis des fonts baptismaux dans cette ville hospitalière. Parole ensuite au président de la commission de la CEMAC, le Congolais Pierre Moussa, qui va revisiter les 5 années de bail qu'il a passées à la tête de la commission. Il en ressort un bilan globalement élogieux grâce à l'aboutissement du projet de libre circulation intégrale, une libre circulation qui est désormais effective sur l'ensemble des pays de la sous-région. Pierre Moussa ne va pas manquer au passage de mentionner le soutien déterminant des différents chefs d'État, dont Paul Biya du Cameroun, pour faire avancer l'idéal communautaire, ceci dans un contexte sous-régional marqué par des crises financières et sécuritaires notamment.
Le propos du président hôte du sommet, Idriss Déby Itno, sera quant à lui axé sur la nécessaire pédagogie qui doit entourer l'ouverture intégrale de l'espace communautaire afin d'éviter que le droit de circulation ne devienne très vite le droit d'installation. Une séance de remise de distinctions honorifiques à quelques personnalités de l'équipe sortante pour le travail abattu dans un environnement des plus instables va marquer la fin de cette cérémonie protocolaire qui sera immortalisée par une photo souvenir avant que les chefs d'État présents à ce sommet ne se retirent dans un huis clos d'où sortiront les principales décisions de ces travaux, décisions très attendues par les populations de l'espace communautaire. Un huis clos marathon de près de 4 heures qui s'achève par la sortie des chefs d'État de l'une des salles du Radisson Hôtel de N'Djamena où ils se sont retirés pour plancher sur l'avenir de notre destin commun. À ce sommet de N'Djamena, les coulisses sont aussi passionnantes que la scène. Et d'ailleurs, confirmation sera faite quelques minutes plus tard lorsque Paul Biya du Cameroun, Idriss Déby du Tchad, Faustin Archange Touadéra de RCA et Théodoro Obiangema Bazoro de Guinée équatoriale regagnent la grande salle pour la cérémonie solennelle de clôture précédée par Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun, et Inta Déby Itno, la première dame du Tchad. Et d'entrée de jeu, le communiqué final lu par le président sortant de la commission de la CEMAC et qui sanctionne les délibérations des chefs d'État consacre la primauté de l'intérêt communautaire. Plus jamais donc, souligne le texte, les ressortissants de la CEMAC n'auront besoin de visa pour aller d'un pays à l'autre, ceci dans un délai n'excédant pas 90 jours. Seulement, pour prévenir les écueils, les pays membres sont invités à accélérer la systématisation du passeport biométrique et l'installation des postes de contrôle aux frontières afin d'éviter que cette mesure ne profite à ceux qui n'en ont pas droit. En marge de cette grande avancée, N'Djamena 2017 voit également arriver de nouveaux hommes à la tête de la commission de la CEMAC où le Gabonais Daniel Ona Ondo succède au Congolais Pierre Moussa par respect du principe de rotation. La même redistribution des cartes s'opère au sein des différentes commissions et organes spécialisés. Les questions financières et notamment le prélèvement de la taxe communautaire et l'état de santé de la BEAC auront également fait l'objet d'une attention minutieuse au cours de ces travaux. Ainsi, sur le premier sujet, le volume des arriérés dus par les États est annulé à concurrence de 90% et un délai de 2 mois est accordé aux pays débiteurs pour s'acquitter de leurs droits. Quant à la Banque centrale, elle sera fortement encouragée à accompagner la résilience des économies sous-régionales et à améliorer le volume de ses réserves de change. Fort de cet ensemble de résolutions qui dessinent le futur d'une organisation fêtière plus audacieuse, les chefs d'État présents à ce sommet vont quitter la salle des travaux, fiers d'avoir franchi un pas décisif dans la mise en œuvre d'un idéal communautaire dont le président Biya s'est toujours posé en grand avocat. Le chef de l'État camerounais, qui d'un bout à l'autre sera resté la principale attraction du sommet, multipliant les concertations formelles et informelles avec ses pairs. Retour à vous, Madame le ministre délégué à la présidence en charge du contrôle supérieur de l'État, avec qui nous évoquons la lutte contre la corruption et la vénalité, l'un des axes forts de l'action du président de la République, son Excellence Paul Biya. Madame le ministre, est-ce qu'il est facile, le fait d'être une femme et d'être ministre d'un département ministériel aussi sensible, pour vous c'est un atout ou un inconvénient? Pour moi, ça va. Parce que un ministre, quelqu'un qui est compétent d'être ministre, ça peut être une femme ou bien un homme. La compétence n'a rien à voir avec le sexe. Oui. Et on regarde les compétences managériales et du leader. Et moi, quand je fais mon travail, je fais comme une d'elle consultée. Peu importe que qui veut me regarder comme une femme, c'est son problème. Mais quand il doit traiter avec moi, je lui fais comprendre pas
l'accomplissement de mes tâches, que je suis ministre, qui ne regarde pas la femme, mais qui regarde plutôt le ministre. Et j'ai fait tout pour qu'on ne dise pas que c'était une femme. C'est pour ça qu'elle se comporte d'une telle manière. Mais ça n'empêche pas ce que je me comporte comme mère dans mon département ministériel, surtout quand ça concerne mais le personnel. Les activités sociales. Oui, les activités sociales. S'ils ont des problèmes, je viens les problèmes sociaux, je viens en tant que maire pour les écouter. Mais si ça concerne le travail de consulter mes missions, je le fais comme ministre derrière. Et vous avez l'avantage que votre background vous aide dans cela. Vous êtes au départ magistrate, donc pas spécialement prête à rigoler. Oui. Le fait d'être magistrat m'a aidé beaucoup aussi. C'est vrai. Ça m'a aidé. Ok. Voilà, ministre, nous allons nous séparer, nous allons changer quelque peu de registre. En tant que membre du gouvernement, vous êtes également un acteur politique de premier plan, originaire de la région du Nord-Ouest, l'une des deux régions dont l'ordre social a été quelque peu perturbé ces derniers temps. Quel regard jetez-vous sur la situation sur le terrain? Et vous, en tant qu'élite, vous savez que les élites ont été plus d'une fois interpellées sur cette question-là. Vous, en tant qu'élite, quelles sont les actions que vous avez menées ou que vous menez sur le terrain pour un retour à la normale? Nul n'ignore ce qui se passe dans les deux régions, la région de Nord-Ouest et la région de Sud-Ouest. À la fin de l'année passée, 2016, c'était très dur, c'était très accentué. Mais maintenant, après le 1er octobre, quand la masse, les gens n'ont pas vu l'indépendance, ils ont commencé à croire à ce qu'on les a trompés. Et depuis que ce problème a commencé, surtout dans le Nord-Ouest, j'ai fait plusieurs déplacements pour essayer de parler avec les gens, avec les parents surtout, avec les élèves, de rentrer à l'école. Parce que même si c'est quoi, il faut que l'école continue. J'ai même organisé des tournois de football pour les jeunes, pour les montrer que le gouvernement de renouveau pense à la jeunesse. Et cet tournoi de football était pour tout le département de Momo, qui a 5 arrondissements. Je vais faire ce que tous les arrondissements soient impliqués dans ce. Et c'était bien passé. Même quand le chef de l'État nous a demandé de descendre sur le terrain, nous sommes descendus sur le terrain, nous avons parlé de la paix, de retour à la normale des choses. Et je suis rentré là-bas le 6 novembre 2017, avant de regagner la place de fête. Je suis rentré dans les établissements qu'on m'a dit que les enfants ont effectivement repris le cours, et je les ai vus, je les ai félicités, je les ai encouragés, et j'ai aussi lancé les messages aux autres qui n'étaient pas encore venus de rejoindre les classes. On a organisé la fête 35e anniversaire de l'ascension du président Paul Biya à la magistrature suprême. Dans mes 5 arrondissements, j'ai assisté à ces cérémonies dans 2 arrondissements, Batibo et Mbengui. À Batibo, il y avait plus de 400 personnes. À Mbengui, presque 400 personnes. On a aussi préparer un gâteau d'anniversaire, et les gens étaient contents. On a bien fêté avec les prières que Dieu, le bon Dieu, garde notre chef de l'État avec la sagesse, avec la vie. Et puis, on a aussi envoyé des motions de soutien au chef de l'État. Parce que, comme il a dit, ce n'est pas qui veut, mais qui peut. On a remercié Dieu parce qu'il lui a donné la sagesse de pouvoir nous conduire dans la paix pour les 35 ans. Assurément, il n'y avait pas une meilleure conclusion pour mettre un terme à cet entretien. Nous tenons à remercier une fois de plus et très sincèrement
Madame le ministre déléguée à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État, Madame Mba Acha Rose Fomundan, d'avoir accepté de venir rehausser le prestige du plateau de présidence actuel. Merci Madame la ministre d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Cette édition de Présidence Actu est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. Un merci tout particulier à Madame le ministre délégué à la Présidence en charge du contrôle supérieur de l'État. Prenons qu'on est parti au début de cette année pour les remettre, ou bien pour... C'était une cérémonie organisée à Douala. Il y a, comme j'ai dit, beaucoup de choses qu'on a fait. Là, c'est pour l'année 2017, mais de façon globale, depuis que vous êtes là, en moyenne, il y a combien de missions de contrôle qui descendent sur le terrain par an, et quels sont les gains? Qu'est-ce que l'État a pu en tirer, si on vous posait la question directement, madame? Oui. On n'a pas un nombre fixe d'émissions. Parce que... à la limite du 31 décembre, il faut envoyer à la présidence une liste d'émissions programmées. Je vous ai parlé de missions programmées et de missions spéciales. Mmh. Prescrit par le chef de l'État, on envoie pour être validé, pour la validation du chef de l'État, parce que selon le décret présidentiel que je vous ai cité au début de cette interview, le président de la République, le service de contrôle supérieur de l'État dépend de l'autorité directe du président de la République, dont il reçoit les instructions et à qui il rend compte. Oui. Ça veut dire que avant même de dépêcher une équipe sur le terrain, il faut l'autorisation du chef de l'État. On envoie la liste pour être validée par le chef de l'État. Mais au cours de l'année, le chef de l'État nous envoie des instructions d'envoyer les équipes de mission sur le terrain dans des cas particuliers. Parce que il y a des dénonciations qui sont faites directement au chef de l'État, qui ne passent pas par le consulté. Alors, pour revenir à la moisson, les Camerounais sont toujours curieux de savoir ce que l'État a pu glaner à l'issue de ces différentes missions qui ont été produites. Vous pensez qu'elles ont contribué à diminuer l'ampleur du phénomène de la corruption? Oui, énormément. L'État a bénéficié énormément de cet exercice de contrôle, de vérification par les équipes de mission envoyées dépêchées sur le terrain. Par exemple, dès qu'on envoie les équipes sur le terrain, ils rentrent avec leur rapport, on envoie la présidence au chef de l'État, le chef de l'État, qui est autorité suprême de ce département ministériel, nous demande d'envoyer ça au conseil de discipline budgétaire et financière. Et là-bas, les gens qui sont justiciables sont assigné devant cette instance, et cette instance écoute ses affaires, et à la fin on voit qu'il y a des débats, il y a aussi des amendes spéciales. Depuis mon arrivée, il y a eu beaucoup de débats, des milliards.
concernant quelques entités publiques et quelques agents, les gestionnaires et les surveillants du crédit et les gérants. Et puis, quand l'équipe de mission descend sur le terrain, ce n'est pas seulement pour arrêter les gens, comme on dit. Il y a aussi des recommandations qu'ils donnent. Ils donnent des recommandations pour le meilleur fonctionnement de cette entité publique. Et ils redescendent sur le terrain pour assurer que ces recommandations sont effectivement mises en place. Et même les ateliers de formation organisés pour des inspecteurs, c'est pour que, à l'interne, avant l'arrivée du consulpé, qui est contrôleur externe, on peut trouver que tout est bien fait. Parce que si les inspecteurs généraux savent ce qu'ils doivent faire, le travail serait moins difficile pour consulpé. Oui. Et même la gestion de cette entité sera mieux faite, qui va apporter de valeur ajoutée à cette entité. Alors, je le disais tout à l'heure, Madame la Ministre, vous allez nous permettre d'effectuer le voyage de N'Djamena pour évoquer donc la participation du couple présidentiel à ce récent sommet de la CEMA qui, comme on le sait, a débouché sur l'éclatement des frontières dans la sous-région Afrique centrale, mais également à l'établissement définitif de la Bourse des valeurs à Douala, au Cameroun, une victoire naturellement qui revient au président de la République. Mais avant d'évoquer le sommet en lui-même, on va commencer par évoquer l'accueil tout à fait particulier qui a été réservé à Paul et Chantal Biya en N'Djamena. Avoir cette impressionnante mobilisation des Camerounais, difficile de croire que l'on se trouve en territoire tchadien. Mais combien était-il donc, entre 15 et 25 000 selon les organisateurs? En effet, partie des confins de la région de l'extrême nord, Kousséri, Goulfé, Ile Haïfa, mais aussi Darak et Fotokol, ils ont sans hésiter franchi le fleuve Logone, limite naturelle entre le Tchad et le Cameroun, pour venir souhaiter la bienvenue à leur président, Paul Biya du Cameroun, et à leur première dame Chantal Biya. Le grand déploiement observé en face du pavillon présidentiel de l'aéroport Hassan Djamous de N'Djamena, qu'ils ont investi depuis plusieurs heures, est quasiment identique à celui observé au Tarma, au moment où l'avion spécial ayant à son bord le couple présidentiel camerounais achève ses manœuvres. Ce 30 août 2017, veille d'ouverture du Grand Conseil de famille sous-régional, Paul Biya est le premier chef d'État à fouler le sol tchadien. Pour lui souhaiter la bienvenue, à lui et à son épouse, Idriss Déby Idno, président de la République du Tchad, président en exercice de la CEMAC, et Madame Inta Déby Idno, première dame du Tchad. L'accueil réservé à Paul et Chantal Biya sera des plus relevés. À son arrivée, le président Biya se voit remettre un bouquet de fleurs avant de sacrifier à l'exécution de l'hymne de la CEMAC et au passage des troupes en revue. Il faudra par la suite près d'une vingtaine de minutes pour permettre à Paul et Chantal Biya de serrer les innombrables mains qui les attendent. Dans les rangs, les officiels du pays hôte, les membres de la suite officielle du président de la République, mais aussi les responsables administratifs et traditionnels du Logone Chari, ainsi que les figures de proue de cette armée de militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont la région de l'extrême nord constitue le principal vivier. Après une brève escale au pavillon d'honneur, le couple présidentiel camerounais ne va pas résister à la tentation de s'offrir un inoubliable. Face à la dictature d'une scène internationale de plus en plus impitoyable, le président de la République, chef de la diplomatie camerounaise, envoie de nouveaux hommes en mission pour faire entendre la voix du Cameroun, assurer son rayonnement à l'international et en même temps ramener des dividendes à même d'assurer le développement socio-économique du pays. C'est le sens à donner à la série de décrets et d'arrêtés signés le 7 novembre dernier par le président Biya, une série de textes qui retouchent en profondeur les services centraux et extérieurs du ministère camerounais des Relations extérieures. Essai de décryptage, et juste après, nous allons vous retrouver en compagnie de notre invité.
soulagement, enthousiasme, euphorie. Les qualificatifs se bousculent depuis quelques jours pour traduire l'ambiance qui règne désormais au sein de la grande famille diplomatique du Cameroun. En effet, à la faveur d'une série de décrets et d'arrêtés signés le 7 novembre dernier, lendemain de célébration du 35e anniversaire de son accession au pouvoir, le président de la République, Paul Biya, a décidé de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. De mémoire d'observateur, jamais sous le renouveau, la diplomatie camerounaise n'aura connu une refondation d'une telle ampleur. Le vaste mouvement décidé par le chef de l'État au ministère des Relations extérieures touche à la fois les missions diplomatiques du Cameroun à l'étranger, les représentations camerounaises au sein des organisations internationales et naturellement les services centraux. Sur le plan organique, celui-ci prend en charge les nouveaux défis qu'impose le monde d'aujourd'hui. La cybercriminalité, la gestion de la diaspora, les relations avec le voisinage. Dans ce jeu de chaises musicales savamment articulé, la femme camerounaise est honorée avec l'arrivée à la tête de l'inspection générale des services d'une dame. La jeunesse pour sa part est portée au pinacle dans ce mouvement qui retouche en profondeur le MINREX. Ainsi donc, ceux qui se croyaient oubliés sont restaurés dans leur fierté, dans leur orgueil. La valse de nomination intervenue le 7 novembre dernier au ministère des Relations extérieures, si elle surprend par son ampleur, apporte dans le même temps des réponses précises aux questionnements qui envenimaient l'espace public depuis quelque temps. La première, elle conforte le président de la République dans sa posture de patron de la diplomatie camerounaise. Une famille diplomatique dont il reste viscéralement proche et à l'écoute. Seconde certitude, cette série d'actes présidentiels affiche clairement l'ambition du chef de l'État de passer résolument à l'offensive pour consolider l'image et la crédibilité du Cameroun à l'international dans un contexte où une nébuleuse d'organisations non gouvernementales ont décidé de faire du régime de Yaoundé une cible privilégiée de leur entreprise de déstabilisation. C'est ce qui justifie sans doute l'envoi de jeunes loups dans les représentations diplomatiques camerounaises à l'extérieur et le rappel dans les services centraux de quelques anciens. À travers ce chassé-croisé, il faut y voir la volonté du chef d'envoyer de nouveaux hommes à la conquête de l'espace public universel et le souci d'amener dans le même temps les plus anciens à venir partager la longue expérience professionnelle accumulée à l'extérieur dans la maison mère. Le rajeunissement des effectifs ainsi acté par le patron de la diplomatie camerounaise apporte par ailleurs la preuve cinglante que sous le renouveau, il y a bel et bien de la place pour les jeunes. Face à ceux-là qui ont inscrit la déstabilisation du Cameroun dans leur agenda, Paul Biya envoie de nouveaux fantassins, de nouveaux messagers de la vérité, véritables soldats engagés à la défense de la patrie à l'extérieur. La diplomatie est, on le sait, l'un des pôles les plus importants à travers lequel s'exerce notre souveraineté. Les promus du 7 novembre dernier au MINREX devront par conséquent s'employer, face à la complexité sans cesse croissante du monde d'aujourd'hui, de faire résonner de façon limpide et sans équivoque la voix du Cameroun en tant que sujet et acteur crédible de la scène internationale. Ces nouveaux envoyés en mission devront dans le même temps créer de contacts multiples à même de contribuer sur le plan économique à la modernisation de notre pays. Et heureux, bien heureux qui, comme le jeune Bélan Bella, l'actuel ministre des Relations extérieures, qui voit ainsi aboutir pendant son bail à la tête du MINREX, une réflexion entamée il y a plus d'une décennie et à laquelle se sont attelés bon nombre de ses devanciers. Je le disais en ouverture de cette édition, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Mba Acha-Rose Fomundam, ministre déléguée à la présidence en charge du contrôle supérieur de l'État. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci de nous accueillir, merci de nous ouvrir les portes de votre département ministériel. Soyez le bienvenu à Consupé. Pour nous aider à savoir, à comprendre ce que vous êtes supposé faire et ce que vous faites au quotidien. Et la question lancinante que tout le monde se pose d'emblée, celle de savoir
Quelles sont les missions qui sont dévolues au contrôle supérieur de l'État? Il faut peut-être d'abord préciser que les services au contrôle supérieur de l'État sont organisés par un décret présidentiel, à savoir le décret numéro 2013-287 du 4 septembre 2013. Et en vertu des dispositions de ce décret présidentiel, les services de contrôle supérieur de l'État ont la responsabilité d'assurer le contrôle au plus haut niveau des gestions des finances publiques. Et à cet égard, le CONSUPE est l'institution supérieure de contrôle supérieur. Et ils ont des missions principales d'auditer la gestion budgétaire de l'État et de ses démembrements, d'évaluer les programmes et les projets publics, de renforcer la capacité des organes d'audit interne des autres administrations, d'assister le gouvernement dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de la programme de modernisation de l'État. Diable bain de foule au milieu de ses compatriotes, dont la démonstration de force se passe de tout commentaire. Tous les ingrédients semblent déjà réunis pour un séjour agréable du chef de l'État camerounais en terre tchadienne. Un séjour que le président Biya mettra sans doute à profit pour sacraliser, aux côtés de ses autres homologues, l'idéal communautaire d'aller en avant dans une dynamique écuménique qui s'est largement exprimée au cours de ces dernières semaines. En effet, nul besoin de dessin pour rappeler que dans l'ambition commune d'aller plus loin dans le processus d'intégration, le Cameroun fait office de pionnier, lui qui en février dernier, au sortir du sommet de Guinée équatoriale, a été le tout premier à signer l'acte additionnel de la CEMAC qui consacre la suppression de l'exigence de visa pour les ressortissants de la sous-région. En marge de cette question d'actualité brûlante, le pays de Paul Biya aura également son mot à dire sur la taxe communautaire, son usage et les mécanismes de son prélèvement, dans un contexte marqué notamment par une anémie sévère de la plupart des économies de la CEMAC. Sur l'autre grand dossier, à savoir le pourvoi des postes à la tête des différentes institutions spécialisées de la CEMAC, la démarche camerounaise pourrait aller dans le sens d'amener les États membres à reconsidérer certaines dispositions du texte organique, notamment celles qui mettent hors course des candidats originaires des pays qui abritent certains de ces organes. Toutes choses qui font du rendez-vous de N'Djamena 2017 un rendez-vous à vivre. Retour à vous, Madame la Ministre. Avant de nous séparer, nous évoquions le bilan de votre action à la tête du contrôle supérieur de l'État. Ça fait 2 ans et quelques mois que vous êtes là. Vous êtes satisfaite du bilan de votre action, du bilan financier, parce que nous, on aime bien les chiffres. Ah oui, très satisfait même. Il y a une mission qui a permis le recouvrement de 5 milliards pour les caisses de l'État. Il y a une autre mission qui a permis 3 milliards. Il y a une autre mission 6 milliards, plus de 11 milliards juste pour les caisses de l'État. C'est pas exhaustif. Oui. Oui, il y en a. Sans encore compter les missions qui sont sur le terrain, qui sont en cours. Sans compter même les affaires qui sont encore pendant devant le CDBF, dont on n'a pas encore prononcé les décisions. Je vous ai parlé du bilan national seulement, pas international. Oui, sur le plan international. Oui, sur le plan international. Il faut peut-être dire que le CONSUPE a renforcé la position et le rayonnement du Cameroun dans le conseil des ISC. Comment? Par exemple, c'est le Cameroun qui assure le secrétariat général de la FROSAI, l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle, dont il y a 54 membres. On a tenu notre assemblée générale dernièrement en Namibie et ils ont beaucoup félicité le secrétariat général du travail qu'on avait fait là-bas. Et féliciter même le Mindel CONSUPE parce qu'elle a co-présidé ses assises avec le président de la FROSAI. Il faut aussi mentionner le CRI qui est le conseil régional de formation des institutions supérieures des finances publiques de l'Afrique francophone subsaharienne, abrégé CREFIAV. Bon, le Cameroun aussi assure le secrétariat général. Il faut peut-être mentionner aussi le groupe de travail WIGIA, Working Group on Environmental Audit,
de AfroSAE, qui est aussi présidé par le MINDEL de Consupi. Toutes ces instances-là donnent beaucoup de respect au Cameroun. Le plan international. De réunion. Il crédibilise l'action qui est menée dans notre pays. Mais alors, l'autre grande question que l'opinion se pose est celle de savoir pourquoi vos actions ne sont pas aussi médiatisées qu'elles étaient auparavant. On sait que les décisions rendues par le Consupé à travers son bras séculier, qui est le Conseil de discipline budgétaire et comptable, étaient fortement, faisaient l'objet d'une grande publicité. Ce qui n'est pas le cas depuis quelques temps, Madame la Ministre. Oui, il faut d'abord savoir que notre mission, la mission de vérification dans presque toutes les ISC du monde, sont frappées de sceaux de confidentialité. Ça veut dire qu'on ne publie pas n'importe comment. Et il faut aussi savoir que maintenant, il y a peut-être, depuis 2012, que l'État a mis sur pied les tribunaux administratifs régionaux. Ça veut dire qu'il y a des tribunaux administratifs partout. On peut relever le recours contre cette décision devant les tribunaux administratifs. Et puisqu'il y a beaucoup de tribunaux administratifs maintenant, si on ne reste pas dans le droit, dans nos droits, ça veut dire qu'on peut annuler nos décisions. Et les conséquences, si on annule les décisions qu'on avait déjà publiées, les décisions de CDBF, et on annule, ça veut dire qu'on va porter plainte contre l'État. Oui, on va les perdre en crédibilité oui, aussi. Oui, ça veut dire qu'on laisse pour que la décision soit définitive, pour qu'on publie. Le Consupé est doté d'un site web. Et le Consupé a une page Facebook. Le Consupé est Android, comme le chef de l'État a recommandé. Et il faut aussi dire que ce n'est pas seulement le ministre délégué à la présidence de la République, du Consupé, qui est chargé de faire la publicité de nos actes et de nos engagements. Parce que de temps en temps, on entend les hauts responsables de Consupé qui passent à la radio, CRTV, pour donner le point de presse. D'accord. Alors, mais vous l'avez reconnu vous-même, par le passé également, certaines décisions rendues par le contrôle supérieur de l'État ont fait l'objet de vives critiques, pour dire le moins, à défaut de réelles protestations, par les mises en cause. Pour réduire la marge d'erreur sous le terrain par mes collaborateurs qui sont dépêchés sur le terrain, dans leur travail, l'institution a mis en place un dispositif et ce dispositif est mis dans chaque phase de contrôle, chaque processus, chaque phase du processus d'audit. Et ce dispositif consiste des mécanismes et des instances pour assurer que les normes sont respectées, les normes d'audit sont respectées par ceux qui sont sur le terrain. C'est pour ça, à chaque, comme j'ai dit, à chaque étape, à chaque phase, il y a une instance, un dispositif de contrôle qualité. D'abord, on commence.
Chers téléspectateurs, bonsoir. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui fait voler en éclats ses frontières, la diplomatie camerounaise qui réalise sa cure de jouvence et le renouveau national qui dresse le bilan de ses 35 années au directeur du pays. Voilà résumé les trois événements majeurs qui ont rythmé la vie nationale et sous-régionale au cours de ces derniers jours. Trois événements qui ont naturellement placé au centre de l'action le président de la République, Paul Biya. Votre magazine Présidence Actu se fait ce soir le reflet fidèle de cette intense activité du chef de l'État, de N'Djamena au Tchad à Yaoundé au Cameroun. Et en guise de bouquet, nous recevrons comme invité Madame Mba Achan et Fomundam Rose, ministre déléguée à la présidence en charge du contrôle supérieur de l'État. Avec elle, nous parlerons naturellement de la lutte contre la corruption dans notre pays. Chers téléspectateurs, merci de nous offrir votre hospitalité. Alors, si vous êtes à nous, nous sommes à vous. Et peut-être que pour commencer, nous allons revisiter en 3 minutes et 30 secondes les 35 années de règne du président Biya. Des souvenirs si lointains mais pourtant si proches. Le 4 novembre 1982, ce fut un véritable coup de tonnerre. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10h. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, m'ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. À l'annonce de la démission sur les antennes de la radio nationale du premier président de la République, c'est un peuple tétanisé qui attend de connaître la suite des événements. Le journal démarre à 20h22. Entre-temps, le ministre de l'Information et de la Culture, Guillaume Boilé, est arrivé à la radio. Tout le monde avait l'air hébété, pour ainsi dire. Les cravates n'étaient pas bien nouées, les chemises étaient portées n'importe comment. C'était vraiment, comme je dis, l'excitation au sein de la rédaction. D'abord la stupéfaction, l'excitation, le stress, et puis nous, la fierté d'avoir le sentiment que nous allions faire l'histoire. Le peuple camerounais, dans son immense majorité, est d'autant plus dubitatif que du nouveau président, il n'en sait pas grand-chose. Celui-ci ayant choisi de faire de la discrétion un véritable style de vie. C'est donc avec un mélange de curiosité d'abord, puis finalement de fascination, qu'on voit apparaître dans un strict costume trois pièces le nouveau chef d'État camerounais Paul Biya. Dans une inoubliable ferveur et sous les cris scridants des jeunes, les huées des femmes et les applaudissements nourris des hommes, le nouveau président est littéralement porté en triomphe du palais de l'Assemblée nationale, lieu de sa première apparition. Le pouvoir entre les deux chefs d'État se déroule dans le strict respect de l'ordre constitutionnel et de la légalité républicaine. Et très rapidement, à l'inquiétude, va succéder l'espoir. Animé d'une volonté sans borne de faire bouger les lignes, Paul Biya n'hésite pas à imprimer sa marque autour des valeurs fondatrices telles que rigueur, moralisation, démocratisation. Depuis lors, le président Biya est toujours à la manœuvre pour faire avancer la barque Cameroun sur la rude voie de son avenir. Et de concourir à l'ascension de gestionnaire indélicat,
des finances publiques au travers du conseil discipline budgétaire et financière. Que les gens connaissent très bien. Oui. C'est un cahier de charges, on va dire, assez étoffé. Oui. Comment s'exerce le rôle de gendarme de la fortune publique qui est dévolu au ministère dont vous avez la charge? Oui, la fonction du gendarme de la fortune publique qui revient à mon département ministériel s'exerce peut-être à trois niveaux. Oui. À travers d'abord les activités de contrôle, les activités de prévention et de conseil et la sanction de la responsabilité des gestionnaires et des surveillants de la fortune publique. Oui, et en ce qui concerne les contrôles, nous avons trois types de contrôles. Il y a trois types de missions de contrôle. Il y a des missions programmées qui sont proposées par le CONSUP sous la base d'une planification stratégique et aboutissant à un plan d'audit annuel. Il y a aussi des missions spéciales qui sont prescrites par le chef de l'État au cours de l'année. Et il y a enfin les missions de recoupement d'informations. Ce troisième type de mission est basé sont effectuées dans le cadre des informations ou de dénonciations qu'ils ont reçues, peut-être des usagers ou bien peut-être de certains personnels de l'établissement ou entité à auditer. Vous recevez beaucoup de dénonciations au quotidien? Oui. Dénonciations par jour, on peut recevoir peut-être 7 à 8 dénonciations par jour. Et il faut recouper les faits et après. J'ai parlé des missions de contrôle, j'ai parlé des missions de prévention et de conseil. En ce qui concerne les missions de prévention, il faut peut-être noter que le CONSUP organise beaucoup des ateliers de formation. CONSUP aussi aide le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre et l'évaluation du programme de modernisation. Par exemple, très récemment, le CONSUP a été chargé de proposer les lignes directrices pour l'audit de performance des projets gouvernementaux. C'est ce que nous avons fait sous la demande du Premier ministre qui a demandé à ce qu'on qui a demandé une élaboration de ces lignes directrices. Il a demandé ça au cours de la réunion de cabinet de mai 2017. Il faut aussi peut-être préciser que le rôle de conseil que fournit mon département ministériel, c'est au travers les forums d'échange et de réflexion qu'on organise ici avec nos partenaires externes, comme exemple le média, le gouvernement même et notre partenaire, le parlement, même les sociétés civiles. Nous organisons ce forum d'échange et de réflexion. Par exemple, en 2011-2012, on a organisé des forums internationaux portant sur l'amélioration des inspecteurs généraux ministériels. On a organisé aussi des forums internationaux sur la prévention non judiciaire de la fortune publique. Même récemment, en mai 2017, on a organisé la conférence internationale sur les flux financiers illicites qui grèvent une bonne partie de notre ressource
des pays sous-développés. Invitée de cette édition de présidence actuelle, Madame Mba Acha-Rose Pomunda, ministre déléguée à la présidence en charge du contrôle supérieur de l'État. Madame la ministre, vous allez accepter de nous tenir compagnie tout au long de cette émission, au cours de laquelle nous allons revenir sur le récent séjour du président de la République et la première dame à N'Djamena au Tchad, à la faveur d'une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Mais avant d'évoquer la République, essayons-nous à adresser un bilan de votre action depuis que vous êtes à la tête de ce département ministériel. Je pense que le bilan est globalement positif, à l'international comme... Sur le plan national. Sur le plan national. Commençons sur le plan national. La loi du mort kilométrique veut qu'on commence d'abord par ce qui nous intéresse en priorité. Sur le plan national, le consulté essaie d'effectuer ses missions classiques à travers le déploiement de multiples équipes de missions sur le terrain, pour équipes de missions de contrôle, de vérification sur le terrain. Par exemple, depuis janvier 2017 jusqu'à présent, on a eu 22 équipes de missions sur le terrain auprès des entités publiques. Les missions de contrôle sur le terrain demandent assez de temps pour être efficaces. Parmi ces 22, on a eu 6 rapports déjà déposés. On a eu 14 qui sont encore sur le pied d'œuvre. Il y a 2 qui sont en cours de planification. En tout, on a eu 22. Et une équipe de mission peut avoir entre 10 et 15 personnes. Oui. On a aussi tenu des ateliers de formation pour les inspecteurs généraux des ministères et même pour d'autres comme la communauté urbaine de Douala. On a eu un memorandum d'understanding avec la communauté urbaine de Douala et on a eu à former le personnel de la communauté urbaine de Douala. Comment et on les a aidés à même établir la cartographie de risque.